Merci, monsieur Lenoir. Dernier orateur inscrit, monsieur le questeur Anziani. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, vous me permettrez d'apporter une voix dissidente. Je vais apporter une voix dissidente et je préférerais au fond dire un point de vue différent. Je le ferai presque avec regret, car j'ai entendu notre collègue Alain Bertrand parler avec beaucoup de sincérité, avec beaucoup de conviction, et je suis très sensible la situation de la Lozère, mais plus globalement, effectivement, à l'ensemble des territoires défavorisés. Mais je le ferai quand même, pour une autre raison que je vais essayer de vous exposer. Et je préciserai d'ailleurs, par honnêteté, que ma position est personnelle, qu'elle n'engage pas celle du groupe, et que le groupe, bien au contraire, a décidé de soutenir cette proposition de loi. Alors pourquoi ? D'abord, parce que nous sommes sans doute nombreux ici à avoir vécu, par nos responsabilités exercées à l'intérieur de la région, et je sais qu'Alain Bertrand a exercé ses responsabilités, la situation d'une région ingouvernable. Nous sommes nombreux à avoir peut-être passé des nuits entières pour, à la fin de nuit ou à l'aube, trouver un accord minimal qui nous permette de gouverner une région. Et moi, j'en ai gardé des souvenirs qui ne sont pas les meilleurs que je puisse avoir en politique. 20 ans et 3 réformes plus tard, nous avons un mode de scrutin qui fonctionne. 20 ans et 3 réformes plus tard, comme cela a été souligné, nous avons aujourd'hui des régions avec des majorités stables, nous avons des régions efficaces, et tout ça sans doute grâce au mode de scrutin qui est le mode de scrutin actuel. Il se caractérise par quoi ce mode de scrutin? C'est ça peut-être le nœud du problème. Par une dimension régionale. J'ai entendu tout ce que vous avez dit. Mais tout ce que vous avez dit suppose une chose. C'est que la région est la représentation des territoires départementaux. Eh bien, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. La région, c'est la représentation de la région. Non, Alain. La région, c'est les sections départementales. Et dans ton rapport, tu passes ton temps, dans page après page, à distinction, à bien dire justement qu'il faut préserver l'identité régionale et que les sections départementales sont un lieu, non pas où on, de conseillers régionaux, mais uniquement de candidats à l'élection régionale. J'ai bien lu ton rapport, et tu pourras le relire, tu verras que c'est exactement ce que tu dis. La réforme régionale, elle est caractérisée justement par la dissociation entre la circonscription régionale et des circonscriptions départementales. Je le répète, la région n'est pas l'expression des territoires départementaux. Nous avons un système qui marche, personne ne le constate. Même, j'ai lu avec attention les motifs de la proposition de loi, on reconnaît. Alors, permettez-moi quand même de poser une question simple. Pourquoi voulez-vous modifier ce qui marche? Ce n'est pas une question complètement incongrue. La réponse est dans les motifs de la proposition de la loi. Je regarde ce texte, j'ai relu, on veut modifier ce mode de scrutin qui donne satisfaction à presque tout le monde, et la PPL, la proposition de loi, nous donne sa réponse, je cite, « pour rétablir la départementalisation du scrutin ». Vaste ambition! Avec des effets pervers sans doute importants. Et pourquoi veut-on rétablir la départementalisation? Pour permettre aux départements de défendre leurs intérêts. Et pour y parvenir, eh bien, on fixe à un minimum de 3 les représentants des départements dans les régions. C'est le texte de la proposition de loi qui a été ensuite après modifié avec beaucoup de force. Et je voudrais saluer aussi le travail du rapporteur, même si nous ne sommes pas complètement d'accord, beaucoup de force par notre rapporteur. Mais ensuite, après, franchement, ne soyons pas hypocrites, la réforme concerne qui? Ah, posons la question, regardons. Je veux bien qu'il y ait un titre magnifique,
assurer une représentation juste et équilibrée des territoires au sein des conseils régionaux. Mais la réforme concerne qui ? La Lozère. La Lozère. La Lozère. Aujourd'hui, le seul département dans lequel il n'y a qu'un seul conseiller régional aujourd'hui, c'est la Lozère. Tous les autres en ont plus que trois. Et donc le fait d'instituer trois conseillers régionaux dans les départements, ça ne concerne que la Lozère. Alors peut-être que demain, ça c'est la réalité du texte, peut-être que demain, avec beaucoup de si, avec beaucoup de conditionnels, avec beaucoup d'hypothèses, les évolutions démocratiques feront qu'au lieu de concerner un département, ça va concerner deux départements, ça va concerner trois départements, ça va concerner quatre départements. C'est une réforme qui est faite pour un minimum de départements qui méritent certainement le respect, mais dans le cadre régional, en tout cas, ce n'est pas mon orientation. Qui concerne et donc concerné par cette réforme, la proposition de loi cite simplement cinq départements et je crois que je viens de montrer qu'en réalité, seule la Lozère verrait son nombre de conseils régionaux passer de 1 à 3 et que pour l'instant, il n'y a donc pas d'autres départements. Franchement, la Lozère mérite ce plus petit département de France, ne serait-ce que pour ça, mais c'est aussi un département défavorisé, je le reconnais volontiers. Et donc, la Lozère mérite tout à fait notre attention. Mais moi, je vous pose la question, à vous qui êtes des législateurs, est-ce qu'en l'état, un texte qui nous propose de changer une loi pour une seule et bonne raison qui consiste à tripler la représentation de la Lozère en Languedoc-Roussillon, est-ce que c'est vraiment ça relève vraiment de notre travail de parlementaire? Je vous laisse évidemment le débat ouvert, je vous laisse la réponse. Moi je dis simplement, et je vous mets simplement, vous me permettrez de formuler cette observation, si nous l'acceptons aujourd'hui, eh bien demain nous allons accepter deux types de dérogations de la même nature. Si nous acceptons aujourd'hui de faire une loi pour la Lozère, je suis sûr que demain, il y aura une loi pour un autre département, une autre loi pour une autre région, et qu'à chaque fois, les circonstances locales parfaitement justifiées nous conduiront à faire en sorte que la loi soit l'expression d'intérêts particuliers. Et moi, je préfère que la loi soit l'expression d'une volonté générale, comme nous le rappelle la déclaration de 1789. Alors, ce que je viens de dire là, vous pouvez me faire une objection en me disant que tout ça était vrai pour la PPL, ce n'est plus vrai du texte qui sort de la Commission. Je l'ai dit tout à l'heure, franchement, notre rapporteur a fait un travail remarquable et il a essayé de sauver les meubles. C'est-à-dire qu'il a essayé, à partir d'un texte qui est quand même une volonté de départementalisation affichée, de faire un texte qui soit plus conforme à l'esprit de la loi régionale. Pour moi, il reste néanmoins trois obstacles. Le premier est d'ordre institutionnel, mais je l'ai déjà énoncé. Permettez-moi de le reformuler autrement. Enfin, franchement, quel paradoxe ! Au moment où nous tous, personne ne dira le contraire, même dans la PPL, on le souligne. Nous tous nous disons il faut affirmer le fait régional, il faut affirmer la région. Quel paradoxe au moment où nous disons cela, et d'ailleurs où nous avons d'autres textes qui vont aller dans ce sens-là, de voter ici un texte qui va affaiblir la régionalisation du scrutin et affirmer la départementalisation du scrutin. Mais si, parce que justement, je connaissais l'objection que vous alliez me faire, mais là aussi, soyons pas hypocrites entre nous, il y a une départementalisation du scrutin, puisque nous voyons bien l'esprit du texte, l'essentiel du texte consiste en quoi ? À dire, les départements ont un droit à avoir un minimum de représentation régionale. Et donc nous garantissons ce minimum de sièges qui est de 3. Eh bien pour moi, dire que les départements ont un droit à avoir un minimum de sièges régionaux, c'est une départementalisation du scrutin régional. Et j'ajouterai, et je reprends d'ailleurs une inspiration du rapport, la région n'est pas au département ce que l'intercommunalité est aux communes. Et donc nous devons garder très nettement en cette distinction et l'identité de la région.
Second obstacle, c'est un obstacle d'ordre politique, j'irai très vite, mais l'obstacle d'ordre politique, c'est que pour parvenir à ce résultat, notre rapporteur a dû faire du nombre de conseillers régionaux une variable d'ajustement. C'est vrai à la marge, mais comment parvient-on à cet rééquilibre ? En augmentant le nombre de conseillers régionaux. Est-ce que c'est une bonne démarche ? Est-ce que c'est une bonne approche ? Moi, je dis que non. Et moi, je serais plutôt partisan, d'ailleurs, de diminuer le nombre de sièges dans les conseils régionaux. Là, nous prenons un chemin exactement inverse. Troisième obstacle, et j'en aurai terminé, c'est un obstacle, moi je l'ai déjà signalé, qui est d'ordre constitutionnel. Je reprendrai d'ailleurs ce que le ministre a bien voulu dire tout à l'heure. Nous partons d'un département sous-représenté et nous aboutissons à un département surreprésenté. Je reprends les chiffres du ministre que j'ai notés avec beaucoup d'attention. Aujourd'hui, il faut 25 694 habitants pour disposer d'un conseiller régional. On aura plutôt la Lozère disposera d'un conseiller régional avec 25 694 habitants, alors qu'en moyenne en Languedoc-Roussillon, il faudra 38 208 habitants pour un élu régional, une différence de 33%. Moi, je veux bien qu'ensuite, après, nous disions que le Conseil constitutionnel l'acceptera. Ça fait des semaines et des semaines, des mois et des mois qu'on nous dit que c'est plus ou moins 20% et pas autre chose. Je veux bien qu'on admette que c'est pas plus ou moins 20%, etc. Je veux bien admettre que le Conseil constitutionnel a statué au moment du Conseil territorial. Mais justement, sur le Conseil territorial. Et quelle est la différence, Alain ? C'est que le Conseil territorial, il représente le département et la région. Et la jurisprudence du Conseil constitutionnel sur le Conseil territorial, je ne suis pas sûr qu'il s'applique à notre cas, qui est un cas purement départemental. Voilà, j'en aurais terminé. Pour moi, l'essentiel est autre. Est-ce qu'il faut faire une loi de la Lozère pour la Lozère ? Demain, moi, je vais faire une loi de la Gironde pour la Gironde. Et ensuite, après, chacun de vous, vous pourrez faire des lois pour votre département. Je ne suis pas sûr que ce soit l'essentiel de notre travail parlementaire. Merci, monsieur le questeur.